Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction au tout nouveau titre, oui, à l'heure actuelle c'est le tout nouveau titre de CIX avec Wave. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais mes vidéos vous plaisent et que mon contenu vous plaît, et ça permet de me soutenir et ça me fait toujours super plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est gratuit en plus, donc franchement... qu'est-ce que ça vous coûte? Ne le faites pas si vous ne voulez pas, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si jamais vous sentez que vous allez l'aimer ou que... n'hésitez pas à liker, ça pareil, ça fait un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous pour me parler de CIX peut-être en général ou d'une chanson en particulier ou quelque chose, voilà. Petit rappel, désolée vraiment pour ceux qui ont ce message à chaque début de vidéo, mais... littéralement, si ça sera peut-être la première vidéo de vous-même qui regardez cet écran, voilà, donc du coup vous ne le savez peut-être pas, mais je me suis lancée dans les commandes groupées avec une amie, donc on a créé une page Twitter spécialement pour ça qui s'affiche quelque part ici, donc n'hésitez pas à aller checker et surtout à commander, c'est le plus important, c'est ce qui nous fera vraiment décoller, j'espère que vous nous ferez assez confiance pour ça, voilà, et puis bah écoutez, nous on va tout de suite commencer la vidéo, allez. C'est parti. C'est parti. Alors. Ok, astronaute. Donc là, ça me fait direct penser à quoi? Ok, c'est clairement une chanson. Comment dire? C'est pas une chanson avec un message ultra genre. Pourquoi je connais cette chanson? Ah! C'est parce que c'est ça que j'ai pas dit. J'ai regardé les, vous savez, les extraits qu'ils ont sortis pour leur album. Et du coup, forcément. Ok, là on est plus dans le côté. Il fait très beau, on est d'accord. Mais mon dieu! Est-ce que vous trouvez pas que dans certains côtés il ressemble à nous? Ça se trouve? Moi je trouve. C'est la même beauté. Donc ici on est clairement beaucoup plus dans le côté mignon. Par contre, le MV est très esthétique, j'aime beaucoup. Oh, c'est magnifique. Oh, oh j'aime beaucoup trop ce plan, j'ai l'impression qu'ils sont du coup dans l'univers, c'est magnifique. J'aime bien parce que c'est quand même très coloré. Oh. Oh, j'aime beaucoup trop les plans où ils sont sur la mer comme ça, c'est trop beau. Waouh, vous savez à quoi ça me fait penser? Pirates des Caraïbes, le tout dernier. Je sais pas pourquoi. Oula!
Alors, j'étais en train de dire. Oh, qu'est-ce que. Alors, ce genre de fin, c'est le genre de fin qui appelle une suite. Voilà, qui appelle une continuité. Donc, forcément. En fait, généralement, quand on a ce genre de fin, parce que là, il y avait clairement quelqu'un de mort, on est d'accord. Il y en avait un des cinq qui était plutôt mal en point, voire très 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 mal en point, pour le coup. Et en fait, normalement, quand t'as ce genre de fin, clairement, ils peuvent pas te laisser comme ça pour l'éternité, tu vois. Ça veut dire qu'il va y avoir une chanson qui va suivre et qui va avoir un rapport qui va nous expliquer, je pense, enfin, je suppose, tu vois. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que cette chanson et ce thème n'appellent pas du tout à une suite, vraiment. Ça fait pas du tout la chanson qui va nous plonger dans un univers tout entier, dans une era tout entière. Et qui est le début d'une série, tu vois, ça fait pas du tout du tout ça. En plus, c'est une chanson qui est quand même joyeuse, qui est pas prise de tête, elle a pas des paroles, voilà, hyper profondes avec, enfin, où il faut chercher un sens hyper loin, hyper profond. Pas du tout, c'est une chanson qui fait très été. On a des couleurs très, bah justement. Deux saisons, c'est très coloré, il y a la mer, etc. C'est très marin, enfin. Ça fait une bonne chanson d'été en fait. Et à la fin, t'as ça et tu te dis, mais. Alors, à moins qu'il n'y ait pas du tout de suite et qu'en fait, parce que du coup, à un moment, ils étaient en pleine tempête quand ils sont sur leur bateau sur la mer, ils étaient en pleine tempête. Donc, est-ce que y en a un ben, qui littéralement n'a pas survécu et voilà. Mais enfin, en fait, c'est chelou cette fin puisque. Tout le reste de la chanson et tout le reste du MV n'est pas du tout dramatique. Enfin, tout ce qu'on voit, c'est un groupe de garçons qui navigue sur un bateau et qui du coup passe par les beaux jours de soleil et qui traverse les tempêtes pour finalement trouver une espèce d'île. Moi, je suppose que ça doit être une île au trésor ou quelque chose comme ça, puisque c'est ce qu'on voit à la fin. Ils voient enfin un bout de terre, donc c'est une île. Donc, enfin, si on suit l'imaginaire collectif, c'est une île au trésor. Et à la fin, d'un coup, t'as ça. Genre, ok, très bien. Bon, donc sinon, ce que je disais, c'est que on n'a pas du tout eu de vision de chorégraphie. Enfin, on n'a pas du tout eu de visuel au niveau de la chorégraphie. Si, on a eu des visuels au niveau de la chorégraphie, je suis. Voilà. Mais ça m'a pas du tout marqué. Comme j'ai dit, je connaissais déjà. Enfin, je connaissais un peu la chanson parce que en fait, j'ai écouté vous savez, les extraits qu'ils ont sortis pour bah, justement teaser cet album. Ils ont sorti en fait un petit extrait de chaque chanson qui compose cet album. Et du coup, forcément, j'ai entendu cette chanson parce que au départ, ça m'a pas du tout tilté. Et c'est en arrivant au refrain, je me suis dit, mais attends, mais j'ai déjà entendu ça. Effectivement. Mais sinon, enfin, j'avais rien vu d'autre. Donc, c'est pas. Clairement, la chanson du siècle, c'est pas la meilleure chanson qu'ils aient jamais faite. Et c'est pas révolutionnaire, en fait. Mais comme j'ai dit, c'est une bonne chanson d'été qui s'écoute hyper facilement. Enfin, voilà. Puis j'aime beaucoup le MV parce que il est pas du tout ennuyant. On a plein de scènes différentes, mais qui tournent tout autour du même thème. Thème qui est la mer, les marins, etc. etc. Enfin, on les voit s'amuser ensemble, c'est tout coloré. Enfin, c'est quelque chose en fait qui visuellement je trouve est très attrayant et qui moi me plaît beaucoup quand il y a beaucoup de couleurs, que c'est joyeux, etc. Enfin, voilà, j'aime beaucoup. Et j'aime particulièrement, je l'ai dit, les plans où justement ils sont sur leur bateau, sur l'eau, où à un moment l'eau elle se transforme en espèce de milliers d'étoiles, genre c'est magnifique, on dirait qu'ils naviguent sur l'univers ou quelque chose comme ça. Enfin, même à un moment, quand il y a un mur d'eau où il y a un dauphin qui est formé avec de l'eau et tout, c'est magnifique. J'adore ces plans-là, c'est mes plans préférés de tout le MV. Mais voilà, je suis très intriguée par la fin. Genre, n'hésitez pas à vous à me dire si vous avez une théorie ou quelque chose, une explication, je sais pas.
Mais enfin voilà, c'était ma réaction à ce nouveau titre de CIX avec Wave. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc encore une fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo si maintenant que vous l'avez regardée en entier, elle vous a plu. N'hésitez toujours pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser des commentaires juste en dessous pour me dire ce que vous avez pensé de ce comeback. Et puis bah écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne matinée, une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on va se retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Go be unstoppable. 우리만의 pace. 추억을 날릴 뒤돌아도 하나된 마음으로 flow. Go be.